Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Aujourd'hui, je refais une vidéo pour vous dire qu'on assiste à l'émergence d'une nouvelle société et vous pouvez tous participer à l'élaboration de cette nouvelle société qui est en train d'émerger. On assiste aujourd'hui à la destruction d'un système avec des élites qui croient y détenir le pouvoir et qui essaye de faire descendre le niveau vibratoire de la majorité de la population en créant des états anxiogènes, des psychoses, des soi-disant guerres qui vont arriver, et en fait tout simplement pour faire descendre le niveau vibratoire. Ils savent pertinemment qu'aujourd'hui, aujourd'hui on assiste à une guerre psychologique contre une paix spirituelle. Donc aujourd'hui, on assiste à une guerre psychologique contre une paix spirituelle. Où est-ce que vous souhaitez vous positionner? La question est, où est-ce que vous souhaitez vous positionner? Est-ce que vous aspirez à créer une paix pour l'ensemble de l'humanité et pour tous les êtres qui vous sont chers? Ou est-ce que vous aspirez à suivre des personnes qui sont en train de vous parler de guerre et qui demain pourraient très bien déclencher une guerre atomique qui ne se fera pas? Parce que ce serait beaucoup trop risqué pour eux aussi. Donc si vous êtes pensé que demain il va y avoir une guerre, ben, allez voir des gens qui vont vous parler de guerre, ce ne sera pas mon cas. Nous personnellement, on est de plus en plus de personnes à se retrouver, un peu partout en France et ailleurs, pour créer tout simplement un nouvel avenir, une nouvelle société. Et on posera les jalons nécessaires pour que cette société-là voit le jour, jour après jour. On est sur un point de bascule extrêmement important. Donc si vous croyez que tout va mal, c'est tout à fait possible de par vos vies d'aujourd'hui, que vous soyez dans une situation alarmiste, avec vos enfants, avec des enfants peut-être qu'on vous a enlevés, avec des personnes malades autour de vous, avec des êtres chers qui sont disparus. Mais malgré tout, je vous souhaite de pouvoir vous relever et de prendre conscience que vous avez l'espoir aujourd'hui de venir rejoindre des personnes comme nous, pour créer une paix spirituelle universelle. Et que vous accrochiez à ça, et que vous soyez les personnes qui vont construire un nouvel avenir pour tous ceux qui vous sont chers. Nous avons affaire à des mécanismes qu'on retrouve un peu aussi dans le MLM, qu'on retrouve dans toutes les structures pyramidales. En fait, ils vont continuer à essayer de vous endormir pour leurs intérêts personnels, à la solde de quelques personnes narcissiques, pervers narcissiques, manipulateurs, enfin des gens comme ça, qui sont imbus de leur personne, qui croient tout savoir sur tout. Moi, je ne prétends pas savoir tout sur tout. Je sais seulement que j'y tiens une part de la vérité. Et je m'entoure de personnes aujourd'hui qui ont largement autant de capacités que moi, voire plus, ou, entre guillemets, certains qui en auraient moins, mais qui ont aussi un rôle majeur dans la création de cette nouvelle société, en mettant en contact avec d'autres personnes. Et d'ailleurs, j'appelle toutes les personnes qui sont de bonne volonté, qui regardent nos vidéos, c'est de prendre contact avec toutes les personnes qui pour vous représentent une intégrité, des valeurs comme le respect, la bienveillance, de prendre contact avec nous et de se faire connaître. Voilà. Donc aussi, un mécanisme qui est très important, qu'on retrouve aussi dans le MLM, c'est que c'est la multitude de petites mains qui va faire que ça enrichit les personnes en haut. Et si vous pensez que en continuant à participer à une société avec des structures pyramidales, vous allez changer votre devenir, vous ne changerez rien du tout tant que vous serez à l'intérieur de structures pyramidales du système. Que ce soit n'importe quel parti politique comme il est en place là, il est tout simplement en train de vous endormir par de beaux discours, en vous faisant croire qu'ils vont faire le Frexit, en vous faisant croire qu'ils vont sortir donc de l'Union Européenne, en vous faisant croire à tout un tas de trucs comme ça. Pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train d'investir votre temps à participer à l'élaboration d'une nouvelle société. Il suffit de le décider et de créer une nouvelle société de paix où tout sera remis à plat, donc une société linéaire avec du multitête, et en s'attachant les services de personnes qui ont extrêmement de compétences dans leur domaine, mais surtout qui sont intègres. Donc aujourd'hui, si vous faites partie de structures pyramidales, que ce soit
je suis désolé pour vous, mais que ce soit le capitaine Juvin, que ce soit Monsieur Asselineau, que ce soit Florian Philippot ou d'autres, en fait, ils sont sur des structures pyramidales. Et je vous invite à vous poser la question pourquoi tous ces gens-là, en plus la majorité, hormis pour le capitaine Juvin, mais tous ces gens-là écrivent des livres. Ben, ils écrivent des livres déjà pour gagner de l'argent, pour une première chose, mais surtout pour une deuxième chose, c'est que ces livres-là, ils vont arriver chez vous. Ils vont arriver au milieu de votre famille. Et donc, si c'est quelqu'un qui est en train de parler de guerre, de choses qui ne sont pas trop saines, comme ça, en plus qu'il y a leur photo dessus, vous mettez ça à l'intérieur de chez vous. Dans le MLM, c'est ce qu'ils faisaient. Il y avait un couple de la Meuse. En fait, ils envoyaient leurs photos dans chaque famille et ils pouvaient mettre des mémoires dessus. C'est ce qu'on appelle de la magie noire. Donc, en fait, ils étaient là. C'est comme si c'était eux qui vous donnaient des ordres, qui dirigeaient votre famille, rentraient à l'intérieur de votre maison. Donc, si demain, vous achetez des livres de certains politiques que vous suivez et que vous croyez qu'ils vont changer votre avenir, que ce soit des livres ou d'autres choses, des documents, que ce soit des badges, ou des t-shirts, ou je sais pas quoi, ce que ça pourrait être, hein, plein de choses comme ça, ben dites-vous bien que, ou rien qu'un texte où ils ont mis une signature dessus, ben tout ça, ça va arriver chez vous. Et du coup, ben s'il y a de la magie noire dessus, ben ils vont pas vous le dire, hein. Mais en tout cas, c'est chez vous. C'est chez vous, et du coup, si c'est des gens qui sont pervers narcissiques, faites gaffe, je vous le dis, faites gaffe, parce que ben c'est pas trop bon pour vous, quoi. C'est peut-être bon pour eux, mais en tout cas, ils vous endorment bien. Donc faites attention à tout ça. Posez-vous la question, qui vous suivez? Est-ce que la personne que vous suivez est vraiment intègre? Est-ce que la personne que vous suivez ne vous raconte pas des mensonges? Est-ce que la personne que vous suivez ne vous casse pas des choses? Et est-ce que la personne que vous suivez n'a pas un double discours? Déjà, est-ce qu'elle arrive à vous parler? Est-ce qu'elle arrive à vous écouter? Est-ce que vous pouvez lui parler au même niveau? Ça, c'est important, c'est toutes ces questions-là. Donc faites attention à ça, ça peut être aussi des audios hein, d'enregistrement qu'ils ont. Et donc vous écoutez leur discours en boucle, et dire là, oui, c'est des belles paroles, oui, c'est des belles paroles, effectivement. Ben, en fait, ils vous endorment. Donc il y a plein de trucs comme ça qu'on retrouvait dans le MLM. Et puis par exemple, ben, quelqu'un qui démarre dans l'activité du MLM, qui n'est pas tout en haut, hein, ben voilà, donc quelqu'un qui a déjà un peu de réussite parce qu'il avait du monde, il avait des relations, donc il va démarrer dans une activité de MLM, dans une structure pyramidale, il va tout de suite avoir de la réussite, il y a tout de suite des gens qui vont le suivre, et tout de suite il va avoir des revenus beaucoup plus importants, et qui va gagner de l'argent? Ben lui va avoir des revenus beaucoup plus importants, celui qui est au-dessus, parce qu'il a l'origine de l'idée, ben voilà, il va toucher de l'argent au passage, hein. Même ça peut être aussi une cagnotte, hein, ça peut être un truc comme ça, que ce soit dans le MLM ou autre chose. Voilà, quelqu'un qui est à l'origine de la cagnotte, qui la crée, par exemple, ben, il va toucher de l'argent. Il va détourner de l'argent au départ, vous n'allez rien voir. C'est pas transparent, donc vous n'allez pas pouvoir le voir. Vous allez être en train de croire que vous donnez de l'argent à un endroit pour aider quelqu'un, mais en finalité, ça va profiter aussi à quelqu'un en haut, que vous ne saurez pas exactement. Voilà. Dans tout ça, qu'est-ce que ça va donner? Donc ça va... La personne tout en haut va gagner de l'argent, vous ne le saurez pas. La personne qui est là, bah oui, elle va gagner de l'argent parce que vous êtes en train de lui donner. Et dans le MLM, c'était comme ça. Mais d'où vient l'argent dans ce cas de figure-là? Qui paye celui qui est là-haut et qui paye celui qui est là? Bah, toutes les petites mains. Toutes les petites mains qui donnent. Toutes les petites mains par leur travail, en fait, et qui vont contribuer à enrichir les personnes qui sont vers le haut de la pyramide. Alors, ils ne vont pas vous dire qu'ils sont forcément en contact avec tout le monde. Mais en fait, ces gens-là vont avoir les portes ouvertes dans quasiment tous les médias mainstream, mais aussi dans les médias de l'opposition contrôlée. On peut les citer tous. Alors, il y en a qui vont dire dans l'organisation, dans l'opposition contrôlée, qui vont dire, mais oui, mais moi, je ne suis jamais dans les grands médias. Bon, en général, il y en a, j'ai déjà vu, ils y sont. Mais en tout cas, ils sont aussi dans les autres. Et ils ne vont pas plus passer de temps que ça là-dessus, parce qu'en fait, ils ont aussi des rentrées d'argent sur d'autres choses. Donc ça peut être un tas de trucs, hein. Ça peut être du blanchiment d'argent, veux-tu en Valois, je ne sais pas trop quoi. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails de tout ça, mais il faut vraiment faire attention à qui vous faites confiance et qui vous suivez. Posez des questions, n'hésitez pas à aller voir ces gens-là. De toute façon, je vais vous dire une chose, hein, que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas, que ce soit des gens comme Asselineau, Philippot, le capitaine Juvin, demain ils seront sur des coquilles vides. Parce que les gens vont se rendre compte qu'ils se sont fait usurpés, qui se sont fait avoir
Il y a assez d'éléments contre ces personnes-là, vous n'avez qu'à faire des recherches un peu dans tous les sens, même le capitaine Juvin. Je rappelle, pour ceux qui disent que je dis des choses sur le capitaine Juvin, preuve à l'appui, de deux maires des Ardennes, vous avez fait des pressions, vous avez fait des menaces sur deux familles, deux maires résistants du département des Ardennes. Donc ce n'est pas des peut-être, c'est eux qui me l'ont dit personnellement, donc ce n'est pas des paroles en l'air, et du coup, depuis ce temps-là, ils ont arrêté la résistance. Donc c'est un des exemples, plus toutes les personnes qui ont été escroquées dans ces cagnottes-là, des cagnottes en veux-tu, en voilà, et les gens donnent, ben, vous, après, n'est pas vous plaindre, vous êtes en train de dire que vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous êtes en train d'aider des gens comme ça qui sont là pour aider par des cagnottes. En plus, bien souvent, je crois que Litchi, c'est une société offshore au Luxembourg. Alors, vous comprenez déjà là qu'il y a encore un blême. Qui est à la tête de cette société-là offshore au Luxembourg? Donc vous voyez qui tire les ficelles et vous allez donner de l'argent comme ça dans des cagnottes à droite à gauche. En fait, vous allez vous faire piéger là-dedans pour aider quelqu'un. Mais pourquoi aider quelqu'un? Pourquoi est-ce que cette cagnotte-là ne servirait pas à aider plusieurs personnes en même temps? Voilà, c'est la question. C'est que ben non, c'est même dans le MLM, c'était une personne. C'est jamais plusieurs personnes. C'est les autres qui travaillent pour une personne. Parce que si ça gagne à tout le monde, ben non, ça ne sert plus à rien. Ils perdent leur pouvoir, là, et du coup, en haut, ils ne gagneraient plus d'argent. Donc si c'était une société linéaire, tout le monde, toute l'argent serait divisé de façon équitable en fonction du travail réel de chacun. Pas en exploitant certaines personnes, en faisant travailler le maximum de monde, et puis que ceux qui sont en haut, en fait, tout simplement parce qu'ils sont à l'origine, gagnent le plus d'argent sur le travail de la masse. Donc faites attention à tout ça, parce qu'on a vite fait de basculer dans ces choses-là. J'ai pas de nom plus que ça à donner aujourd'hui. Faites attention si vous achetez des livres avec des photos de personnes, bah, s'ils ont mis de la magie noire dedans, bah, vous l'avez chez vous, quoi. C'est pas compliqué, hein. Cherchez pas à comprendre pourquoi ça change pas, pourquoi chez vous c'est pas hyper, le niveau vibratoire n'est pas important. C'est aujourd'hui, plus vous allez venir vers des personnes comme nous qui sont en train de mettre en place une société qui va vers une paix spirituelle, plus le niveau vibratoire de la société va monter, et plus les choses vont aller dans ce sens-là. C'est très simple à comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi je suis serein? Ben aujourd'hui, on peut me faire tout ce qu'on veut. Je suis très serein, je ne connais pas mon avenir, mais en tout cas, je sais qu'on va vers une société beaucoup, beaucoup plus intéressante que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, et pour beaucoup d'entre vous, vous demandez comment on peut pousser dehors un système qui est dirigé par des escrocs. Je crois que vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ces choses-là. On est en train de se regrouper, et au fur et à mesure qu'on avance, on est en train d'élaborer des stratégies. Et quand il y aura un point de bascule, ces gens-là ne seront plus là, parce qu'ils seront à la tête de coquilles vides. Si vous ne le croyez pas, faites le test, tous les adhérents de Philippot, quittez la structure et reprenez votre autonomie. Suivez des personnes comme vous-même. Ne suivez pas un chef, ne suivez pas quelqu'un qui prend la parole, comme même moi à la rigueur. Ce n'est pas moi qu'il faut suivre, c'est vos idées. C'est-à-dire venir à nos côtés, mais pas me suivre, pas derrière. Ne pas rejoindre, quitter toutes les structures pyramidales de ces organismes-là, que ce soit Asselineau ou le capitaine Juvin. Vous allez voir que d'un seul coup, les choses vont changer. Et si demain, la résistance est capable de se coordonner avec des personnes intègres et que vous en faites partie, vous allez voir que comment c'est possible de créer une nouvelle société. Elle sera déjà là, elle est déjà là. La nouvelle société, personne ne pourra l'arrêter. Et ce n'est pas leur pseudo-nom, nouvel ordre mondial, qui est un désordre total, qui croient qu'ils vont avoir pouvoir de vie et de mort sur la population. Ils sont que de passage sur cette terre. Ils sont aussi surveillés. S'ils ne le savent pas, quelque part, si, sans doute. Et en plus, des personnes comme nous, on leur fait peur, parce que plus ils mettent de la pression sur nous, plus ça leur revient en miroir inversé. Donc, je ne vais pas vous expliquer tous ces mécanismes-là. Mais en tout cas, je suis très serein par rapport à ça. J'ai jamais été aussi serein sur l'avenir de ce qui se passe aujourd'hui. On est dans un point de bascule. C'est important que vous preniez conscience de l'importance que vous avez, chacun d'entre vous.
Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.